Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi 15 avril, toujours en confinement malheureusement. Bienvenue dans la salle 3S sportif, social et solidaire pour là, je crois, 20 ou 21e séance de sport. Voilà, c'est avec plaisir que je vous retrouve à chaque fois. Aujourd'hui, ça va être une séance qui sera courte et j'espère efficace pour vous. Donc on va démarrer directement par les étirements comme on a l'habitude de faire en étoile. Et puis ensuite, vous aurez un petit circuit cross-training de 3 ou 4 blocs. Now we start with stretching and then we continue with a circuit of, with 4 blocks or 3 blocks. Ok, on démarre maintenant. La petite serviette qui est en place. Et on va pouvoir un petit peu discuter en même temps qu'on va faire le petit étirement. Toujours les mêmes protocoles. On ne perd pas les bonnes habitudes, on se met en position fente avant, on pousse le bassin en avant, en basculant légèrement à contrario de la cambrure du dos, et on va venir se positionner ici vers l'avant. Voilà, on va rester un petit peu. Alors les étirements sont plus courts au début qu'à la fin forcément, parce qu'à la fin il y a la récupération, et puis c'est un moment après le circuit où on est plutôt privilégié pour bien relâcher les muscles et les tendons. On va venir sur le côté. On va relâcher à nouveau et puis maintenant on va étirer la partie postérieure de la jambe qui est cette fois-ci tendue. On va basculer légèrement le bassin en arrière, on va poser les deux mains au-dessus du genou et venir avancer légèrement avec le haut du corps qui est droit. Voilà, on va chercher le plus loin possible devant sans trop insister parce qu'on n'est pas encore chaud. On inspire fort, on souffle tranquillement et on avance doucement vers l'avant. Alors je ne suis pas le bon exemple pour les assouplissements, même si c'est peut-être le cas pour les étirements, je ne suis pas forcément celui qui est le plus souple du groupe qui participe ce matin. On relâche à nouveau, on va ensuite passer sur le côté comme on a l'habitude de faire avec le petit écart genou fléchi, le bassin entre les deux genoux, un sur la jambe qui est tendue et l'autre évidemment sur la jambe qui est fléchie, toujours avec des appuis de main un petit peu sur l'avant en poussant le bassin légèrement sur l'arrière et la pointe des pieds légèrement vers le haut. On reste dans cette position, on en profite pour commencer un peu l'amplitude respiratoire parce qu'il est important dans les étirements de se relâcher et la respiration participe au relâchement et comme elle participe à la diminution du stress parfois quand on n'a pas l'occasion de faire du sport, respirer profondément peut permettre, peut aider à faire diminuer le stress. Voilà, on ramène le genou ici, on va écarter encore à nouveau les genoux ici, on va poser les appuis des pieds et les jambes parallèles et on va pousser légèrement vers l'arrière, tout doux, tout doucement, sans insister, très très légèrement pour bien relâcher le bassin. Voilà, on va resserrer à nouveau les genoux, se regrouper et maintenant on va étirer les avant-bras. Si vous avez travaillé au clavier ce matin, c'est un exercice qui est très, enfin, c'est pas très agréable, mais qui est très efficace sur la prévention des tendinites au niveau des avant-bras. Parce que là, on étire les tendons coulisseurs des doigts et ce sont des gaines qui passent dans les poignets. C'est un petit peu particulier et parfois, il arrive qu'on ait des tendinites à force de répétition, notamment au niveau de la souris ou du clavier. Voilà, on va relâcher les avant-bras, petit moulinet avec les mains, et ensuite on va venir sur les épaules à 45 degrés. Ici, à l'opposé, en regardant évidemment de l'autre côté, le ciel bleu si vous avez la vision sur le ciel bleu, ou le mur si vous avez un mur. Alors j'espère qu'il y a des belles décorations sur vos murs, ça permettra de prolonger un petit peu plus l'étirement et faire en sorte qu'il soit un peu plus agréable. Voilà, on va ramener tranquillement la main et puis ensuite on prolonge le bras à l'opposé. On regarde évidemment aussi à l'opposé.
Je vous rappelle que le bras est à 45 degrés, c'est-à-dire qu'il est entre l'angle de 90 degrés, qui est formé par l'axe de la tête et des cervicales, et puis évidemment la partie latérale à 90 degrés. Donc là, on est vraiment à 45 degrés. Voilà, on se relâche. Un petit nouveau étirement pour vous. Ce matin, on va faire un enroulement sur le côté. On va venir appuyer sur l'arrière du coude ici pour enrouler le bras ici au-dessus de l'épaule. Alors, ce n'est pas un étirement qui paraît nécessaire à l'échauffement, mais vous verrez que si vous sollicitez beaucoup les épaules, c'est un exercice, un étirement qui permet de justement étirer toute la partie deltoïde postérieure. Et c'est intéressant, notamment après les exercices, mais je vous explique pour que vous ayez un peu plus de notions et d'autonomie aussi derrière si vous faites d'autres séances pour vous étirer. Voilà, on passe derrière le coude avec la main opposée, on vient resserrer le bras vers la poitrine, l'avant-bras vient sur l'épaule, et là on est pratiquement sur l'omoplate. Pour celles et ceux qui sont les plus souples, vous pouvez même vous gratter le dos. C'est très pratique, notamment sous la douche. Et voilà, on relâche tout ça et on va passer ensuite de l'autre côté, ici, avec la serviette sur le genou, c'est plus confortable. Voilà, on passe de l'autre côté. Je vous rappelle le matériel nécessaire pour nos séances bouger sans bouger de chez vous, c'est une serviette ou deux, et puis c'est tout. Après, ben, c'est la boisson, c'est un petit peu d'espace, 2 mètres carrés. Et pour le reste, ben, ce sont des exercices à poids de corps, donc sans avoir besoin de matériel. Et si on fait du rameur, on invente le rameur, on l'imagine et on pratique la gestuelle. On fait même de la natation ici sans piscine, donc on le verra tout à l'heure. Voilà, hop, on se redresse tout doucement et ensuite on va venir à nouveau jambes tendues. Cette fois-ci, on le fait de l'autre côté à l'envers, à l'opposé. Et on descend légèrement le buste en avant. Je vais vous mettre sur le côté pour que vous voyez bien l'angle de la jambe, notamment postérieure. Là, on descend vers l'arrière légèrement, ici, les jambes tendues, et on vient vers l'avant, si possible, dos plat. L'inspiration et l'expiration va être importante ici parce qu'on va libérer les tensions juste avec la respiration. Voilà. On relâche à nouveau. Je vais me repositionner face à vous, et là on va repartir à nouveau en fente avant, sans cambrer, en évitant de cambrer, on va essayer de basculer le bassin pour lutter contre la cambrure des reins, et en même temps on va accentuer cet étirement au niveau de la partie antérieure du bassin. On va venir sur le côté, la main droite vient à l'extérieur du genou gauche, ou l'inverse si vous êtes de l'autre côté, et là on va venir avancer un petit peu, et toujours pareil avec une bonne respiration, une bonne expiration. Voilà. Et on relâche. On se remet à nouveau à genoux. Ici. Et là, on va mobiliser les cervicales en essayant de donner de l'amplitude et pas de la vitesse. Donc, il faut faire un cercle le plus grand possible et le plus lentement possible, même si on a envie d'aller vite. Je me parle à moi-même des fois. Voilà. On va se relever tout doucement et on va faire un petit peu de proprioception. Rappelez-vous ce que c'est la proprioception. C'est un travail d'équilibre et de sensation qui permettent notamment de travailler sur la prévention des chutes et puis aussi être plus à l'aise avec son corps en équilibre ou en déséquilibre, puisque ça participe évidemment à lutter contre les déséquilibres. On va se mettre sur une jambe là tout simplement. Voilà, on va mettre les mains dans le dos, on va relever l'autre jambe. Les deux genoux sont alignés ici et on va juste faire une petite descente et on va rester dans cette position statique. Donc ça s'appelle un gainage de la jambe en appui, et on va rester ici 15 secondes. On change de jambe à nouveau, pareil, on aligne les deux jambes, les deux cuisses, pardon, et ensuite on descend légèrement et on fixe
cette position bien ancrée au sol avec les fameuses fondations, comme le précisait Stéphanie dans ses cours de yoga et de renforcement musculaire. On travaille des fondations pour ensuite faire les murs, la toiture et peut-être la frise avec, avec le coq ou la girouette. Voilà, on va relâcher. Maintenant, on va mobiliser le haut en déverrouillant à nouveau buste, bassin et jambes avec un mouvement d'amplitude et de coordination entre le haut et le bas. Un petit peu comme la gestuelle au niveau du golf. Et c'est un exercice qu'on fait, on pratique beaucoup, notamment dans les arts martiaux, pour remobiliser le haut et se retrouver avec un peu plus d'amplitude articulaire à nouveau, toujours cette fameuse amplitude articulaire. On va faire des moulinets avec les bras tendus. Et là, on échauffe les épaules, mine de rien, en remontant ici en arrière. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repart de l'autre côté, cette fois-ci sur l'avant, en faisant des grands cercles avec les bras. Pareil, ça échauffe bien les épaules. Les deltoïdes, si on le fait lentement, avec peu d'élan, ça échauffe beaucoup la coiffe, notamment des rotateurs qui se trouvent au niveau de l'épaule. Voilà, la coiffe des rotateurs, ce sont tous les muscles du deltoïde ici, qui permettent de relever l'épaule vers l'avant, sur le côté ou en arrière. Et c'est une partie qui est très importante chez les sportifs, et avec parfois des petits soucis, des opérations. Personnellement, j'en ai eu 3 à droite, je crois. Mais ça fonctionne encore très bien grâce au renforcement musculaire. Et le fait de s'entretenir permet d'être efficace. On va repartir sur la proprioception cette fois-ci avec de la coordination qu'on va rajouter sur un mouvement que vous connaissez déjà. Donc avec ce fameux mouvement d'elliptique ici, avec une jambe avant et les deux bras en opposition ici. Donc le même côté est en arrière et le côté opposé est en avant au niveau des bras. La jambe est tendue vers l'avant et puis on va faire cette bascule. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de jambe. C'est un mouvement que vous verrez nulle part ailleurs. Alors c'est un mix entre un mouvement d'elliptique, un mouvement de judo. Vous voyez qu'on est en opposition à nouveau ici. Voilà. Le bras avance quand la jambe recule. C'est le même exercice que vous faites sur les appareils en elliptique. Et en même temps, ici, ça permet de travailler l'équilibre, la proprioception, la coordination. Et puis, ça commence quand même un petit peu à monter au niveau cardio, mais très léger, mais ça monte un petit peu. Là, là, là. Ok, on relâche. Maintenant, on va faire toujours sur le côté, comme on a l'habitude de faire, avec un exercice de jambes et un exercice de bras. Toujours pareil sur un mouvement qui est un bon retour sur investissement. Une belle optimisation du temps pour la pratique, puisqu'on travaille à la fois l'équilibre, la proprioception, le renforcement musculaire, et puis un petit peu le cardio, puisqu'on est sur l'échauffement, et donc ça monte légèrement. Là, ici, bras en bas, bras en haut, et la jambe, vous voyez, vient mourir ici sur le côté, sur l'avant de la deuxième jambe. Voilà, juste une petite élévation ici sur le côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, quand on relève la jambe sur le côté, et je parle aux adultes et aux enfants, parce qu'ils n'ont peut-être pas eu encore des cours d'anatomie, donc cette partie c'est la cuisse et ici c'est la jambe, et le mouvement qui vient élever la jambe sur le côté, c'est l'abduction. Quand on resserre les jambes, c'est l'adduction. Les adducteurs ici permettent de resserrer les jambes. Les abducteurs, avec le tenseur notamment du fascia latin, qui est un petit muscle qui s'insère, une bandelette qui s'insère au niveau du genou jusqu'à la hanche, permettent de relever, ce sont les muscles releveurs de la jambe sur le côté. On va passer sur le côté. Ici, 1, 2, 3, 4, côté opposé, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on relâche, on est toujours sur l'échauffement. Maintenant, on va reprendre le premier exercice avec un exercice, cette fois-ci, sauté. Si vous n'y arrivez pas, vous restez sur la base qui consiste à venir faire un mouvement d'elliptique. Donc, ça va donner ceci.
voyez, à chaque fois, il y a un petit saut ici sur la jambe opposée. Et vous allez voir que ça va monter un petit peu en cardio, encore un peu plus. Et puis, ça va bien travailler cette fois-ci le renforcement musculaire de la jambe qui est au sol, évidemment, qui tient en équilibre. Donc, c'est un exercice qui se fait sur, un petit peu sur la pointe des pieds, deux tiers avant du pied. Toujours penser que c'est toujours le travail de la course, le travail du saut, c'est toujours à minima deux tiers avant du pied. Ici un petit peu plus, mais un petit peu moins, pardon, mais c'est toujours l'avant-pied qui travaille. Donc là, on va faire la première gestuelle au sol, et ensuite, on va faire ce petit saut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, on va passer maintenant de l'autre côté. Alors là, toujours un côté préférentiel, même moi, je préfère le faire à droite puisque je suis droitier plutôt qu'à gauche, mais je vais prendre des risques devant vous pour essayer de le faire de l'autre côté. Là, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc c'est un mouvement que vous verrez nulle part ailleurs, c'est un mouvement qui a été inventé par moi-même pour essayer de travailler cette fameuse coordination, cet équilibre proprioception, ce renforcement musculaire, et puis un petit peu de cardio, puisque autant le mouvement peut être très basique, autant si on le modifie avec des petits sauts comme là, ça peut évidemment monter très vite en puissance. Donc on va faire la même chose sur le côté. Donc on a vu tout à l'heure ce mouvement, et là on va faire un petit saut. 2, 3, 4, 5, 6. L'objectif, c'est chaque fois à la réception de rester en équilibre. C'est vraiment l'objectif. L'objectif, c'est pas de suivre forcément le rythme, mais c'est toujours lorsqu'on est atterri d'un, quelque part, d'un déséquilibre ou d'un problème où on saute une marche, etc. Toujours arriver en équilibre et essayer de, si possible, se récupérer. D'accord ? Donc voilà, donc là, hop, on essaie de récupérer. 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Ok, on passe de l'autre côté. On commence le mouvement classique. Là, là, là. Et là, on va commencer le petit saut. Pour celles et ceux qui veulent, qui peuvent, vous essayez. Un. Équilibre. Hop là, sur la gauche, je suis un petit peu moins agile. 2, 3, 4. Il faut prendre du temps sur la réception pour trouver ce fameux équilibre. 7, hop là, 8, voilà, c'est ce moment là qui est intéressant. 9 et 10. On pourra faire un petit challenge là dessus à la fin s'il nous reste un peu d'énergie. Donc on a fait ces mouvements donc dans l'axe et puis sur le côté. On reprendra sur le circuit le premier exercice, sur le premier bloc et sur le deuxième bloc. Ensuite on va travailler sur le fameux demi-tour, demi-squat. Alors pour les demi-squats, c'est-à-dire les flexions de jambes, on peut très bien le faire en statique, on peut très bien le faire décalé, il n'y a rien de plus simple, mais je rajoute toujours une petite contrainte de coordination. Et là on le fait en demi-tour, donc on optimise encore un peu plus le temps et l'exercice pour rajouter quelque chose qui est encore intéressant, c'est cette fameuse coordination ici, où on va à chaque fois se replacer face au mur. Et on va revenir face à la fenêtre, ou inversement si vous avez une fenêtre de l'autre côté puis un mur de l'autre. Donc ce demi-tour sera important parce qu'il va permettre d'enchaîner la droite et la gauche. Et c'est tout l'intérêt de l'exercice, de retrouver des forces cognitives, de sensations, d'agilité, de disponibilité, pour être à l'aise avec son corps et puis reprendre confiance aussi en son corps. Et en ce moment, on a tout le temps pour le faire. Donc, on va pas s'en priver. Donc, ça sera le premier exercice du troisième bloc qu'on va faire ici. 1, demi-squat, on revient de face. 2, demi-squat, on revient à nouveau de face du même côté par lequel on a commencé. 3, là. 4, on revient de face. 5, on revient de face. Et à chaque fois, on fait un petit pas ici sur l'avant pour se positionner en demi-squat. Là, là, on revient au point de départ. Là, on revient au point de départ. On repart de l'autre côté. Point de départ de l'autre côté. Point de départ de l'autre côté. Là, là, là. D'accord ?
Donc on peut le faire du même côté tout le temps, en répétition, mais c'est encore un peu plus subtil et délicat que de repartir à chaque fois sur la droite ou sur la gauche. Vous le faites à votre rythme de toute façon, et c'est un exercice qui est très intéressant sur la proprioception et la coordination. Voilà, on va terminer l'échauffement sur un premier passage de tout le circuit, et ensuite on va faire ce fameux circuit, sachant qu'aujourd'hui la séance est courte. Bon, ce sera 45 minutes à 1 heure maximum avec les étirements. Et donc, la meilleure façon de s'échauffer, c'est de commencer les fameux exercices qu'on a prévus sur le circuit. Alors, je ne mets pas le chrono sur cette première phase. C'est encore de l'apprentissage, mais petit à petit, vous verrez que ça va monter un petit peu. Chez moi aussi, j'ai le cardio qui commence à monter, surtout en parlant. Et après, bah derrière, on va pouvoir faire ce circuit avec, quelque part, la connaissance des exercices qu'on s'approprie petit à petit, qu'on pourra répéter de façon un peu plus intense, répéter, répétitif, ou adapter, puisqu'il faut chaque fois que vous adaptez à vos capacités. On va démarrer sur le mouvement elliptique ici, là, là. On y va, 3, 2, 1, c'est parti. Tac, tac, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on essaie les sauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, voilà, ça se passe bien pour l'instant. Deuxième exercice qu'on a déjà pratiqué, c'est le pédalo Nico. Alors, pédalo Nico, c'est pourquoi Nico? Parce que c'est un ami qui s'appelle Nicolas qui a inventé cet exercice et que j'ai repris. Donc, j'essaie de garder les propriétaires en fait des exercices, même si c'est pas déposé. Mais voilà, ça leur fait plaisir et puis ça mange pas de pain. Donc on prend un petit objet, soit votre gourde, votre bouteille d'eau ou un objet tout simplement. Et là on va travailler en même temps les abdos et la coordination ici. Voilà, vous vous positionnez, vous commencez à essayer à bien faire l'exercice et à chaque fois vous donner l'objet à la main opposée sur la jambe fléchie. Donc je passe sous la jambe fléchie à chaque fois pour passer de l'autre côté. Là, là, là. On relève bien le buste pour bien travailler au niveau des abdominaux, notamment la partie périnéale chez les dames et chez les hommes aussi. Les hommes ont un périnée aussi, mais ils ne le savent pas. Et comme ça, ça permet de maintenir ce gainage abdominal et en même temps être capable de se concentrer sur un exercice qui demande de la coordination. C'est toute la difficulté et tout l'intérêt d'un exercice augmenté intellectuellement parlant. Voilà, ok, c'est bon. Maintenant, on va repartir à nouveau sur le fameux exercice de bras fléchis, bras tendus. On n'a pas besoin de serviette pour l'instant. On va simplement se mettre en position de gainage ici. Soit vous faites une petite flexion, ou pas, vous restez uniquement sur les bras, et ensuite vous passez à une position de stretching arrière. Donc ça donne ça, petite flexion, stretching au niveau des ischio-jambiers, qui sont les muscles postérieurs de la cuisse, et en même temps on relâche le dos, et ça permet de faire un travail concentrique ici, et excentrique avec stretching vers l'arrière. Petite flexion, gainage au niveau des épaules. Et ensuite, on vient sur l'arrière, jambe tendue, pour faire un stretching. Donc, c'est un mouvement qui est efficace et puis qui a un bon retour sur investissement aussi. Belle optimisation du temps parce qu'on travaille en même temps le stretching, le relâchement et puis le renforcement musculaire du haut. Vous y allez? C'est parti. 1, 2, 3. Alors, j'en connais qui sont 4. Avec des pompes maxi, moi je vous conseille l'échauffement de le faire tranquillement. Le gainage est aussi important que le mouvement de push-ups complet, comme celui-là par exemple. Et on relâche, ok. Vous voyez, ça a bien gainé au niveau du haut. Et en même temps, on a fait un bon gainage aussi au niveau du bassin, qui est complètement différent de l'exercice précédent du pédalo Nico. Nico comme Nicolas. Maintenant, on va repartir sur le deuxième bloc, now second block. Anytime we have three exercises by block.
on a toujours trois exercices par bloc qui sont des mouvements complets. Donc tout à l'heure, on a travaillé l'elliptique sur la jambe gauche. Maintenant, on va se mettre ici sur la jambe droite. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, petit saut, 10 secondes. Allez, 1. Là. Et toujours pareil, à la fin de l'exercice, vous devez être capable de rester en équilibre et stable sur une jambe sans poser la deuxième. C'est le petit challenge du jour. Voilà, donc maintenant on va passer à la natation. N'oubliez pas de mettre votre maillot de bain. Maillot de bain, les palmes, le tuba, les lunettes, on a tout ce qu'il faut. Et maintenant on va pouvoir plonger sur la natation. On va travailler face au sol. Avec toujours pareil ce fameux exercice de coordination qui n'est pas simple, c'est-à-dire de faire un mouvement de brasse en haut et un mouvement de crawl en bas. Et là, c'est pareil, on a tout l'intérêt de l'exercice qui est la coordination en plus du gainage, du renforcement et un petit peu du cardio aussi parce que c'est un exercice qui est assez complet. Au niveau de la tête, évitez de cambrer, donc regardez soit face devant vous, soit face au sol. Allez, on plonge. Attention, le fond est bas et pas très profond. Donc, on va se positionner ici. Les bras ne touchent pas ici le sol. Les jambes ne touchent pas le sol. Les pointes des pieds sont tendues, c'est-à-dire qu'on est en extension, mais pas en flexion. Et là, on va pouvoir commencer par les battements de jambes. On y va. C'est parti pour vous. Et maintenant, on rajoute le mouvement de brasse devant en gainant bien les épaules. En allant chercher le plus loin possible devant. Voilà. Et on s'applique. On ne cherche pas à faire de la quantité, mais de la qualité. Au niveau du bassin, vous allez lutter contre la cambrure des reins. On évite de cambrer. En tout cas, on a l'intention de contrecarrer cette cambrure en rétroversant le bassin si possible. Avec les muscles des fessiers. Ce sont les fessiers qui permettent dans cette position de décambrer le bas du dos. Je ne sais pas si décambrer existe dans le dictionnaire, mais on va pouvoir le rajouter après la séance. Voilà, on va passer ensuite au travail du haut, c'est-à-dire les bras. Où là, toujours pareil, on aura un petit exercice de gainage, ici, avec un mouvement de bras, ici, avec les bras tendus et les bras fléchis sur les coudes, ici, l'un après l'autre, tranquillement. On remonte sur les mains, on se met sur le côté. Et vous voyez, ça monte tout seul. Voilà, on y va. 1, 2, on va jusqu'à 5. 3, 4 et 5. Voilà, pour celles et ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez soit travailler sur les genoux, ici, toujours dans les positions de push-ups. N'hésitez pas à poser les genoux, d'accord. L'important, c'est quand même d'aligner le haut du corps avec le bassin et puis le genou. Si c'est pas tout à fait le cas, c'est pas grave. Il vaut mieux remonter un petit peu les fesses que se mettre en position de cambrure. D'accord. Et si c'est encore trop dur, ici, vous pouvez très bien vous positionner en gainage avec un petit mouvement de bassin dans cette position-là. Voilà. Donc, ça, c'était le deuxième bloc. On va passer au troisième bloc qui va reprendre l'exercice qu'on a vu tout à l'heure à l'échauffement. Ici. Là, demi-squat, on va revenir de face et demi-squat de l'autre côté. On revient du même côté. Là. Allez, c'est parti, c'est à vous, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Vous voyez qu'il y a une distance de 80 cm à peu près de déplacement vers l'avant pour bien projeter le corps vers l'avant et qu'il y a une belle amortie ici au niveau du demi-squat. Toujours pareil, l'intention c'est qu'à l'arrivée, on est stable et on n'est pas en déséquilibre. Voilà pour le premier exercice. Deuxième exercice, vous le connaissez aussi pour celles et ceux qui ont l'habitude. Pour les autres, vous allez voir, c'est très simple. On s'assoit sur la serviette, on se met en équilibre ici,
Voilà, tranquillement, une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on va mettre les mains ici, les unes contre les autres, et puis on va tourner d'un côté et de l'autre. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour celles et ceux qui n'y arrivent pas ou pour qui c'est trop dur, vous restez simplement sur cette position-là de gainage en se concentrant sur le bas-ventre, c'est-à-dire la partie, encore une fois, périnéale, le bas des abdominaux, très important. Et puis, si, encore une fois, vous n'y arrivez pas, vous posez une jambe au sol, une seule jambe au sol, et puis, là, vous faites vos rotations avec une partie fixe au sol qui sera plus facile que sur l'équilibre avec les deux jambes relevées. Voilà, on va passer ensuite aux dips. Alors, les dips, c'est cet exercice-là qui permet de descendre et de remonter. Vous voyez que là, j'utilise pas de chaise, j'utilise pas de step. Vous pouvez très bien utiliser votre bureau, par exemple, ici. Voilà. Ça, ce sont des dips. Ici. Une chaise, si vous en avez une. Et là, pour le coup, je vais prendre la mienne avec une position intermédiaire ici. Voilà. Si vous avez un step, vous pouvez encore descendre et utiliser le step. Ou tout simplement, si vous n'avez aucun élément, vous servez uniquement ici du sol, par contre en tendant le corps vers l'avant. Et là, vous allez travailler à nouveau les dips. Évitez d'être trop vers l'avant pour éviter les contraintes au niveau des épaules. Donc vous remontez un petit peu sur les bras ici. Ça va donner un peu plus de poids et c'est pas grave, c'est pas gênant puisque... Vous voyez, l'amplitude est très courte. Plus vous allez monter le bassin, plus l'amplitude est forte. Donc voilà, c'est important de ne pas trop avancer pour que les épaules ne soient pas trop contraintes vers l'avant. Positionnez-vous bien sur les bras et ensuite vous allez pouvoir descendre tranquillement. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un souci, vous vous mettez en position de gainage ici. Voilà, vous croisez les pieds, vous croisez les jambes et puis là vous restez en position de gainage avec peut-être une montée de bassin et une descente de bassin, tout simplement. Voilà, on va passer au quatrième bloc. Quatrième bloc. Alors, il y avait trois blocs, mais il y en a toujours un quatrième en option. Pour celles et ceux qui ont envie de rentrer dedans et d'aller un peu plus loin. Donc, le jumping jack, vous connaissez. Il y a de la coordination, il y a du cardio. Ça peut être sympa aussi en musique. Donc, c'est uniquement écart serré. Ici, là, où je descends. Et en même temps, je rajoute les bras. Là. Allez-y, c'est à vous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on reste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on ne bouge toujours pas. Alors, vous voyez, l'important, c'est de rester dans cette position. On est à l'aise, on est facile, on est statique, on fait la chaise et dans tous les cas, sur la réception, je suis... un équilibre bien ancré au sol avec les fondations. On relâche à nouveau les petits cuisseaux. On va repartir avec notre rameur. On va monter sur l'aviron. Voilà, on est au milieu de la Seine ou de la Marne ou du Lot. Et on va se regrouper ici toujours avec les jambes à l'équilibre ou une jambe au sol si c'est trop dur pour certaines et pour certains. On va se regrouper et étendre ici les jambes vers l'avant. Là. Donc partez toujours regroupé, bras tendus, et vous avez juste après à inverser, ça va tout seul. Si c'est trop dur, là, vous posez une jambe au sol, et vous faites ce même exercice. Ça a moins d'intérêt parce que vous allez moins travailler sur la partie basse des abdos. Donc voilà, il faut essayer au maximum de rester quand même en équilibre sur cette position. Et sinon, c'est pas grave, vous y allez progressivement. Tout le monde peut y arriver, mais il faut du temps, il faut répéter. Et c'est pour ça que les débutantes et les débutants ne doivent pas se dire bah, « j'y arrive pas, c'est pas bien ». Non, adaptez l'exercice au départ, et puis après, bah, vous allez progresser forcément, et vous allez forcément y arriver. Tout le monde peut y arriver. Dernier exercice, et c'est peut-être le plus dur, en tout cas au niveau des bras, ça c'est pour les warriors. On va se positionner ici en gainage, voilà, et puis on va essayer de toucher le coude.
des bras. Alors vous voyez qu'ici c'est un petit peu difficile pour moi, donc je vais descendre ici pour aller toucher le coude. Voilà, si vous n'y arrivez pas, essayez de vous mettre dans cette position, vous montez simplement les jambes sur le côté, ça fait un petit gainage, un petit travail de coordination, mais le haut est davantage préservé plutôt que ici bras tendus où il va falloir descendre au niveau des bras. Et sur 15 secondes, ça pique un petit peu. Voilà, on a fait le tour. On récupère, on boit une petite gorgée, voire deux, voire trois. Et puis, on va démarrer dans quelques minutes. Après le quiz, il y a toujours une question pendant l'échauffement. Alors, le premier qui donne la réponse, sans regarder sur les ordinateurs, sans regarder sur Internet, aura droit à venir... à la Défense, participer à une séance avec le Chisin Sport Truck qui devait démarrer à la Défense sur l'esplanade de la Défense au mois de début avril. Donc en raison du corona, c'est reporté, mais c'est pas annulé. Et donc j'offre une place, deux places, tiens, pour la famille qui va trouver la réponse. Qui a gagné le dernier Tour de France qui vient d'être reporté en 2019? Qui a gagné le dernier Tour de France en 2019? Voilà, je vous laisse répondre rapidement. Et je regarde vos petits commentaires, toujours, qui me donnent des repères. Alors réfléchissez bien, ça va venir peut-être. On connaît tous le Tour de France, on connaît parfois le premier, mais on connaît jamais le second, sauf si c'est un Français. Et donc voilà, ce sont des épreuves qui sont très très populaires, de par l'événement, de par tout ce qui se passe autour de la caravane, mais la course, c'est pas vraiment... on connaît pas tous évidemment les vainqueurs. C'est un petit peu comme les Grands Prix de Formule 1, quand j'étais dans l'écurie Lotus Formula 1. Même nous qui étions au cœur même de la course, ben on regardait pas forcément la course, on était dans le box et on s'occupait de ce qu'on avait à faire et on regardait sur les écrans. Voilà. Donc voilà, qui a gagné le dernier Tour de France en 2019? Essayez de répondre à cette question. Je rappelle que les premiers vont gagner une place pour les sessions de Chisin Sport Truck à la Défense. On va démarrer sur le circuit. Alors, avec un passage de 20 secondes. Donc si c'est trop dur pour vous, vous faites du statique à la place de faire du dynamique sur chaque exercice. Et puis vous verrez, ça va se passer tout seul. On va démarrer dans 10 secondes. Première position, c'est celle-ci. Allez. Vous n'êtes pas obligé de le faire en sautant. Je vous rappelle, c'est un exercice que vous verrez nulle part ailleurs. Voilà, si c'est trop dur, vous le faites comme ça. Ou en sautant de nouveau. Ok. Quand c'est rouge, c'est repos. Quand c'est vert, c'est travail. On va passer au pédalo, Nico. Nicolas, si tu nous entends, ton exercice est pour nous. Allez, on va se mettre en position de pédalo, ici. Et on va se passer le petit objet qui peut être la bouteille d'eau. Là, et c'est parti. Allez, on en fait le maximum et surtout on relève bien le buste. Et si c'est trop facile, je vais aller chercher l'objet sous la chaussure. Voilà. Allez, on accélère. Ok, c'est rouge, repos. Et là, on va se remettre en position pour les bras fléchis ici. Et stretching en arrière. Est-ce que c'est toujours rouge? Oui. Encore un petit peu de repos. En attendant, on peut faire un petit gainage. Cécile, tu peux continuer à faire les pompes. Et on y va. Petite flexion. Allez, stretching. Là. Toujours avec le corps bien gainé. Vous n'êtes pas obligé de descendre au niveau des bras. Vous pouvez rester bras tendus.
juste comme ça, là, ou flexion ici. Ok, vu que c'était rouge, donc je me suis arrêté, on va passer sur l'autre jambe. Donc j'étais ici, maintenant je passe ici, là, et là ça va donner ça. C'est toujours rouge, je me préserve un petit peu, et c'est parti, allez. Si c'est trop dur, vous le faites sans sauter. Je me suis emmené le pinceau. Là, ça y est, j'ai repris le rythme. Le gauche, c'est pas facile pour moi. Ok, on relâche. Les droitiers, ça mêle les pinceaux à gauche. On passe à la natation. Allez, vous mettez le maillot de bain rapidement, les lunettes. Et on va venir nager. Ici. VXVR, on se met en position, battement, pointe des pieds, extension, et la brasse au niveau du dessus, sans toucher le sol. Voilà. On fait un beau geste. Évitez de cambrer au niveau du bas du dos et de la nuque. Donc je regarde plutôt vers le bas. Là. Et on relâche. L'eau est très bonne aujourd'hui, il faut en profiter. Maintenant on va passer au coup de main. Coup de main, c'est pas un coup de main, c'est coude ici et main ici. Là, toujours avec le petit gainage bien aligné. Est-ce que c'est vert? C'est pas encore vert. Quand c'est vert, on y va. Allez, c'est parti. Voilà, gainez bien le bassin. Je regarde si c'est encore vert. Ok, on relâche. Et voilà, donc on a fait le deuxième bloc. On va passer au troisième bloc. Ici avec le demi-squat, retour. Demi-squat, retour. Et demi-squat. Dès que c'est vert, on démarre. Attention. On y va. Là, on revient devant. Là, on revient devant. Là, là. On pousse là, on pousse là, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, encore, encore. Coordination, droite et gauche, on relâche. Alors, après, on va passer aux abdos rotateurs, toujours avec mon appareil de fitness, qui est ma selle de ma serviette des Jeux Olympiques de Londres, toujours. Très résistante. On y va. Rotation au niveau du buste. Si c'est trop dur, vous posez une jambe. Comme ça. Et sinon, on relève la jambe. Et on essaie de compenser un petit peu le balancier avec les pieds qui sont serrés. Et à chaque fois, on regarde, on tourne bien le buste. On regarde le plus loin possible là-bas. Et relâchez. On va passer aux dips. Alors... Soit vous vous mettez sur un appui élevé, soit un appui chaise. Et ici, vous allez passer au triceps. Voilà, essayez d'avoir les mains vers les pieds. Ici, voilà, pour être plus confortable au niveau des épaules. Allez, allez. Plus vous allez monter le bassin, plus il y aura de l'amplitude et plus ça sera intéressant. Ok, on relâche. Allez, on passe au quatrième bloc. Qui est prêt pour le quatrième bloc? On passe au jump and jack. Écart serré. Donc ici. Et là, on va essayer de gagner un petit peu en fréquence. Je vais faire latéralement, comme ça j'aurai vu sur le rouge et vert. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de son. Allez, c'est 20 secondes de bonheur. On regarde devant, on ne regarde pas le sol et on fait une belle flexion. Ici, tac, 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 tac. Allez, on accélère un petit peu. Ok. Ouh, c'était trop court. Prochaine fois, on mettra 30 secondes. Je vois qu'il commence à râler là. Allez, on passe au rameur. On se met dans le canoë, dans l'aviron, pardon. Je
Moi je confonds, aviron, canoë. Les kayakistes vont pas être contents. Allez, on y va. Tchac. Tchac. Allez, jambes tendues, si possible. Et là, on est chaud. Donc, on peut se donner à fond. On gagne bien le bas du ventre. Là. 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 Allez. Encore. Encore. Ok, on relâche. Dernier exercice avant le repos. C'est le fameux exercice qui tue. Alors vous le faites soit sur les avant-bras, juste avec les jambes, soit sur les bras, juste avec les jambes, ou ici flexion, où on va toucher genoux ici et coude. Attention, ça va partir, c'est parti. Allez, 20 secondes. On essaye de garder le corps aligné. Je ne peux plus vous parler. Je suis asphyxié. C'est ça, c'est ça. Et ça dure 20 secondes. Oh, et on relâche. On relâche. Voilà, c'est dur, mais c'est bon. Et surtout, c'est pas dangereux parce que ce sont des exercices qui sont ergonomiques, j'allais dire, qui permettent aussi de travailler l'agilité, la disponibilité dans des situations qui sont extrêmes, avec beaucoup d'efforts physiques. Voilà, on va récupérer. On va refaire notre circuit et puis on fera les étirements derrière. Derrière le prochain circuit, je vous demanderai de prendre les pulsations cardiaques juste après l'effort. Et après on les reprendra une minute derrière. Allez, je regarde vos petits commentaires. Vous voyez que ici on perd pas de temps. Ça bosse 24 heures sur 24. Et oui, on s'amène les pinceaux entre la droite et la gauche. C'est tout l'objectif de l'exercice. Si ce sont des exercices trop basiques, c'est bien. Mais quelque part, on n'apprend rien. On est là pour apprendre, faire un petit peu d'apprentissage. Et puis, à force de travailler. Eh bien, écoutez, vous faites des choses que vous n'aurez jamais pensé pu faire. Et donc, ça, c'est le quotidien souvent des débutants qui pensent qu'ils sont incapables de faire des choses. Là, il y a des exercices que j'ai utilisés déjà dans le très haut niveau. Et vous voyez que c'est possible pour tout le monde. Donc, ne soyez pas pessimiste, au contraire. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, vous arriverez dans une semaine ou dans 15 jours. Voilà, je vous laisse encore récupérer. Allez, on repart de l'autre côté. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Guillaume, à Hugo Fonghetti, qui est un athlète de haut niveau. Un athlète de haut niveau, un très bon coach également. Et puis Marie-Vonne en belle vie. Alors en belle vie, je ne sais pas qui se cache derrière. Scalpa. Et tous les autres, toutes les autres, les fidèles qui sont là régulièrement. N'hésitez pas si vous êtes nouveau. Ne soyez pas pessimiste, au contraire, si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, vous arriverez la semaine prochaine ou celle d'après. L'intérêt, c'est de progresser. Donc, on va redémarrer tout de suite sur les 4 blocs enchaînés à votre manière, pas à la mienne. Je sers juste d'exemple basique pour les exercices, mais faites-les à votre convenance. C'est très important de le voir comme ça. Je retire la chaise qui est un appareil de... Vous voyez, cette chaise, elle coûte 40 euros. C'est un appareil de stretching et de musculation. Donc un appareil de musculation dans une salle, c'est à minima 5000 euros. Avec une chaise, on peut faire énormément de choses. Et c'est tout l'intérêt des situations un peu particulières comme le confinement, où on invente des choses et c'est là qu'on trouve des solutions. Allez, on va démarrer sur ce fameux exercice ici. Je vais le démarrer avec vous au sol, comme ça. Et puis progressivement, vous allez devoir le faire en sautillement. Ce qui est très intéressant pour le cardio, mais aussi la coordination. Attention, ça démarre dans exactement 10 secondes.
Appliquez-vous sur les exercices. L'intérêt, ce n'est pas d'être au taquet au niveau du cardio. C'est au contraire d'essayer de bien faire les exos. Là, 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 là. Et là, on reste bien stable. Bien stable. Voilà. Allez. Hop là. Allez. Et maintenant, on va sauter. Et là. Et là. Et là. Et là. Restez au sol si c'est trop compliqué. Ok. On va passer au pédalo, cher Nico. Pédalo Nico. On prend le petit objet. Allez, on se met déjà en place. Ici. Tac. Et là, une jambe tendue, jambe fléchie. Hop, on passe le relais. Comme une passe de rugby. Attention. C'est parti. Et on remonte le buste au maximum. Et on essaye de placer l'objet au niveau du mollet. Voilà, c'est-à-dire le plus haut possible. On va chercher. Allez, on est à la moitié, un peu plus. Et on accélère. L'objectif, c'est de ne pas tomber l'objet. Ok. On lâche à nouveau. On se redresse. Maintenant, bras fléchis. Extension du bas. Ici. Tac. Et tac. Je me mets de l'autre côté pour mieux voir le petit écran. Ici. On se met déjà en position de gainage. Ou de pompe. Pour celles et ceux qui souhaitent le faire. Vous voyez que ça se fait très bien. C'est un bel enchaînement. Une belle coordination. La fréquence, c'est vous qui la dosez. La flexion, c'est vous qui la dosez. Le rythme, c'est vous qui le dosez. Il reste 4 secondes. Là. Ok, on récupère. Maintenant, on va passer à l'autre jambe. Donc, on était sur jambe gauche, maintenant on passe sur jambe gauche. Donc, jambe droite, pardon. Donc, on va se mettre déjà en équilibre, ça serait bien. À l'opposition. Et là, on va venir travailler ce mouvement d'elliptique. Ici. Allez. 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 À 10, on va faire sauter. Et 10, allez. Ok. On met le maillot de bain, les lunettes, le bonnet obligatoire maintenant dans les piscines. Et on va passer à la natation synchronisée. J'en ai toujours rêvé. On n'a jamais voulu de moi, natation synchronisée. Donc là, on va essayer de synchroniser tout ça. Allez, c'est parti. Bras de brasse, jambes de crawl. Et allez. On améliore le gestuel à chaque fois. À chaque passage. On essaye d'être élégant, même si ce n'est pas mon cas. Voilà, vous voyez qu'un beau petit travail des épaules. Sans toucher le sol. Et maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Le fameux coup de bain, ici sur la position push-ups, là. Hop là, c'est encore repos. Ça va redémarrer. 3, 2, 1, et c'est parti. Voilà, on donne une belle amplitude sur les relevés. On ne s'écrase pas, on ne s'avachit pas. Le bassin est gainé. Le bassin ne bouge plus, hein. C'est... du béton armé. Voilà. Alors, si vous avez du carrelage, mettez évidemment une serviette. On passe au troisième bloc. Coordination, ça mêle pas les pinceaux. On essaye de bien se placer, bien avancer ici à chaque fois pour faire le demi-squat. Allez, attention, tout l'intérêt c'est la coordination. On y va. Là. Là. On revient. Allez, on repart. Et on accélère. Là. 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 Et là. Et là. Et là. Allez, encore. Il en reste encore un petit peu. 2 secondes. Tac. Tac. Ok. Agilité, coordination. C'est le cas. Abdos rotateurs. Je prends mon tapis. Ici, j'ai pas de tapis chez moi. Donc je prends ma serviette. Et ça démarre dans 2 secondes. Voilà, rotation, si c'est trop dur, on pose un pied au sol. Je mets les jambes devant le chrono, vous n'avez pas besoin de voir. Quand c'est rouge, c'est repos.
Quand c'est vert, c'est travail. C'est ça, 3 secondes. Ok, repos. Abdos rotateurs, on va passer au dips. Rappelez-vous, les mains ici, alignées. Ici, vous pouvez faire ça sur une chaise ou sur un bureau. Voilà, donc plus c'est rapproché, plus c'est facile. Plus c'est éloigné, plus c'est compliqué. Allez, c'est parti. On essaye de bien monter le bassin pour donner la bonne amplitude. N'avancez pas trop pour ne pas bloquer les épaules. Et là, vous avez le poids du corps sur vos avant-bras. Donc c'est cette partie qui est intéressante. Il reste 3 secondes. Ça fume au niveau de mes triceps. Et là, la cerise sur le gâteau, le jumping jack. Qu'est-ce que c'est sympa le jumping jack, j'adore ça. C'est actif, c'est aérien, c'est mobile, un petit peu de chorégraphie. Moi, je ne serai jamais patineur, hein, mais voilà, je les ai entraînés en tout cas. Allez, on y va. Flexion, 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 flexion. Voilà, on regarde le soleil. Allez, on accélère. Tac. Ça. Je regarde quand même le chrono. Ok, allez, on monte sur l'aviron, on s'assoit sur la Seine, la Marne, le Lot, ou la Garonne, ou le Gave de Pau, le Rhône. J'espère que j'ai rien oublié, je vais faire des jambes, allez, tchac, jambes tendues, si c'est trop dur, une jambe au sol, comme ça, allez, allez, on gagne bien le périnée, là. Là, on tire horizontalement au niveau des mains, des bras, et on essaie de tendre les jambes à l'arrivée, en donnant de la fréquence. Ok, dernier exercice, exercice du torsionnaire, un coude genou. J'ai beaucoup de mal à faire cet exercice, mais on va le faire mental. Attention, et tac. C'est parti. Allez. Si vous êtes essoufflé, c'est que vous ne respirez pas. Respirez toujours pendant l'effort. 5 secondes. Ok. Dernier exercice terminé. On fait une petite récup. Il est midi moins 5, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais voir si vous avez bien répondu au quiz de ce mercredi 15 avril, qui a gagné le Tour de France 2019. Même si je n'ai pas pu regarder les commentaires, ne vous inquiétez pas, on va les regarder en replay et on verra qui a répondu les premiers. Alors, petit contrôle. Kylian qui a gagné le Tour de France 2019. C'est pas Stéphanie, hein, c'est Stéphanie n'a pas fait le Tour de France. Allez, les pulsations, c'est parti. 3, 2, 1, dans 10 secondes exactement. On prend ici ou ici. On regarde le chrono, c'est à vous. C'est sur 20 secondes, vous aurez à multiplier par 3. Ok, on récupère. On récupère et vous aurez encore une prise de pulsation dans une minute. Alors là, ça sera récup, hein. Normalement, on le prend juste à la sortie de l'exercice. Mais j'ai oublié. Heureusement qu'il y en a qui sont là pour me le rappeler, n'est-ce pas, Roland? Voilà, encore 20 secondes. Et encore 20 secondes. Donc il reste 40 secondes et on reprend les pulsations. En tout cas, vous verrez la courbe de récupération, de descente en tout cas du cardio.
pour savoir si voilà, vous revenez au calme au bout de. Vous comptez 3 minutes, 2 minutes, allez, 2 minutes au lieu d'une minute. Encore 20 secondes, ça va démarrer. On commence à prendre les pulsations soit au niveau de la carotide, soit au niveau de l'avant-bras, entre le tendon fléchisseur des doigts ici et le radius avec les 3 doigts. Attention, 3, 2, 1, top. Encore 7, 5, 3, 2, 1, top. Ok, vous avez à multiplier par 3 les deux valeurs que vous avez trouvées. Et vous avez la, au moins la courbe de récup, sachant qu'on n'a pas pris les pulsations juste derrière l'effort. Mais des fois, c'est compliqué de prendre les pulsations parce qu'on a, un pouls qui est filant, on dit qui file. Et donc, il n'y a pas assez de... comment dire, de résonance dans les veines pour vraiment capter les pulsations. Allez, vous me montrez tout ça si vous voulez bien. C'est secret professionnel, ça reste entre nous. Alors j'en profite pour souhaiter l'anniversaire à René qui est infirmière, qui est là pratiquement toutes les séances, mais pas toutes puisqu'elle ne peut pas. Donc René Garnier, si tu nous regardes, bon anniversaire. Je sais que c'était hier, mais voilà, je souhaitais te le souhaiter en pleine séance parce que bon, ben là, c'est un moment privilégié avec tout le monde, tous les participants, pour te souhaiter un bon anniversaire, René. Voilà, je ne vous donne pas l'âge parce que ça ne se fait pas. On va passer aux étirements. Aux étirements sans la chaise aujourd'hui, on l'utilisera plutôt vendredi, mais c'est le même protocole. On va déjà démarrer sur le dos avec une position, vous verrez, je vais utiliser ce tapis là. Hop là, on va se mettre ici, voilà, on va croiser ici les jambes et on va venir à l'intérieur du creux du genou, le creux poplité, pour venir rejoindre la deuxième main. Et on reste dans cette position avec, vous voyez, la jambe qui est vraiment au niveau du bas de la cuisse. Voilà, et là on étire les moyens fessiers, les fameux moyens fessiers, qui posent problème parfois pour les dames qui courent, qui font du running ou des courses pédestres, elles ont des tendinites aux moyens fessiers. Pourquoi? Parce que ben, on oublie de s'étirer, parce que c'est compliqué pour étirer le moyen fessier. Et ça c'est un des rares exercices pardon, qui permet de le faire. Voilà, donc c'est un petit peu la découverte aussi. Hop là, on change maintenant, on passe à l'autre côté, ici. Et pareil, on va venir dans le creux poplité pour venir rejoindre la deuxième jambe. Et ne vous inquiétez pas si vous avez un côté qui est plus souple que l'autre. On a tous un côté plus court que l'autre et plus souple que l'autre. Voilà, le corps humain n'est pas parfait, c'est pour ça qu'il fonctionne bien. Et c'est pour ça qu'il s'adapte à toutes les situations. La particularité de l'homme, c'est de s'adapter. Et on le voit d'ailleurs en ce moment, en plein confinement. Voilà, on relâche à nouveau. Vous allez vous relever sans les mains. Je vous demande de ne pas utiliser les mains pour vous relever. Pour ça, vous allez tendre une jambe et fléchir une jambe. Et là, vous allez faire cette bascule pour venir ici vous relever. Je le refais ici. Donc là, je vais avoir du mal, je vais avoir besoin des mains. Ici, je vais fléchir une jambe. Vous voyez, je viens sur le côté, je me relève tranquillement. Donc ça, vous devez être capables toutes et tous de le faire. Alors, je vais le faire de l'autre côté. Ici. Voilà, là, c'est compliqué. Je me creuse le cerveau pour rien. Je me fais des nœuds au cerveau. Alors que, regardez, je me mets sur le genou, ici, et je me relève. Voilà, c'est un petit truc qui permet de mieux comprendre... la biomécanique du corps humain dont on n'utilise qu'une toute petite partie. Voilà, c'est un peu l'exemple type. Allez, on se remet sur les fameux étirements. Fente avant, bascule du bassin, ce qui permet d'échanger un petit peu, de se reposer, retour au calme, sachant qu'aujourd'hui c'est une séance courte. Et là on va venir à l'opposition, déverrouille à nouveau, mais là cette fois-ci on insiste davantage. Ici sur le côté, voilà, on se redresse, la poitrine dégagée, le poil luisant, le torse en avant.
Et puis on respire bien là. On souffle bien, on fait une belle rotation. Vous voyez qu'on a gagné énormément avec la séance parce que tout est chaud. Les muscles coulissent bien, les tendons pardon, coulissent bien. Les muscles sont beaucoup plus élastiques et les articulations fonctionnent beaucoup mieux. Donc il faut se mettre dans des situations comme celle-là pour essayer de gagner encore une fois en amplitude articulaire. Je ressasse, je radote, mais j'insiste toujours. L'amplitude articulaire, travaillez ça au bureau. Restez pas figé sur votre ordinateur, sur le clavier, sur le siège, avec surtout le dossier. N'utilisez jamais le dossier au bureau. Utilisez le devant du siège. Voilà, comme ça c'est le dos qui reste en position et pas le siège qui vous porte. C'est comme une ceinture, si vous mettez une ceinture ici abdominale, vous verrez quand vous allez l'enlever, vous avez l'impression que vous allez être tout nu et que vous n'avez pas de muscles abdominaux. Donc faut éviter. Allez, on revient ici, hop, on passe sur le côté. Voilà, et on descend au maximum vers l'arrière, on pose bien les mains, ce qui permet de bien inspirer, bien récupérer. Voilà, vous pouvez bouger aussi un petit peu, c'est pas gênant. On est beaucoup plus enthousiaste après la séance, beaucoup plus mobile. Donc n'hésitez pas, si vous avez de la musique chez vous, mettez-la. Et on n'est pas fait pour rester même statique, même s'il faudrait le faire sur les étirements. Les gymnastes restent des heures et des heures à s'étirer, c'est une contrainte assez incroyable. Mais bravo à eux parce que franchement c'est pas très très agréable. Allez, on passe ici, on va mettre la main à 45 degrés. On inspire bien, on souffle bien et on descend presque au ras du sol en écartant les genoux cette fois-ci. On utilise le maximum de son potentiel. Voilà, genou écart, épaule presque au sol pour ceux qui peuvent. Alors moi j'ai un problème d'épaule, j'ai toujours eu des problèmes d'épaule parce que je suis raide comme un piqué. Plus les quelques opérations du professeur Mercier. Vous voyez, pour lesquelles ça s'est très bien passé puisqu'on arrive au bout de 3 opérations de l'épaule à faire des choses quand même sympas. À plus de 50 ans. mais il faut s'entretenir, il faut entretenir son véhicule. Et si on ne le fait pas, c'est compliqué après, dans la force de l'âge, ou dans l'âge avancé. Allez, on descend. Allez les enfants qui nous regardent, travaillez vos étirements, vous êtes raides comme des piquets vous aussi, surtout vous, qui êtes nés dans des modes de vie modernes, très sédentaires. On descend un peu plus avec l'aspiration. Et là, ok. Les enfants, si vous nous regardez, sachez que vous avez 30% à moins de capacité physique que nous à votre âge. Donc il est temps de se mettre au sport et de pratiquer surtout régulièrement et pas de changer tous les 6 mois de discipline. Restez dans la rigueur, l'engagement et la régularité, ce que j'appelle le RER. Rigueur, engagement, régularité. Qui m'a été transmis par le chef Thierry Marx, grand chef étoilé, un grand monsieur, que je vous recommande d'observer, et avec qui j'ai de très très belles collaborations sociales et sociétales. Et c'est tout l'intérêt, aujourd'hui mes médailles olympiques, ce sont les emplois que je crée grâce au sport. C'est le terrain de sport que j'amène au pied des immeubles. Ce sont les enfants que je sors de la cage d'escalier pour pratiquer du sport. Voilà, c'est tout ce lien social qui crée de l'enthousiasme et de la motivation. Mais pour ça, il faut se forcer. Donc, il faut se donner des rendez-vous. Sans coach, c'est difficile. On prend des abonnements, on les honore pas forcément dans la durée. Parce qu'on n'a pas rendez-vous. Si vous avez rendez-vous avec un coach, ben c'est un peu plus compliqué d'annuler. Surtout si vous payez d'avance. Mais ici, c'est gratuit. Donc, vous pouvez annuler. Ok. Allez, dernier exercice. Avant-dernier, pardon. Vous allez vous mettre sur le dos à nouveau. Ici. Allez, les deux jambes tendues. On fléchit une jambe. On pose ici le coup de pied dans le creux poplité. On va aller chercher le genou ici à l'opposé. Juste sous la rotule, il y a un petit creux sympa, c'est comme une poignée pour celles et ceux qui font de la varap.
et on met le bras opposé à 45 degrés et on tourne le bassin à l'opposé. Voilà, le regard vient ici à la verticale ou du côté du bras tendu, c'est-à-dire ici. Voilà. On inspire bien et on souffle à fond et on essaye de gagner du terrain vers le sol avec le genou fléchi. Et là, on relâche à nouveau. On remet le dos à plat, les deux jambes fléchies. Voilà, ça permet de relâcher ici les lombaires. Et ensuite, on tend la jambe opposée. On met le creux, le coup de pied dans le creux palpité, ici sous le genou. Et on vient prendre le genou à l'opposé sur la petite rainure sous la rotule. Et là, on va ramener le genou doucement, juste avec le poids de la main ici, le poids du bras ici qui descend. On inspire bien fort et on souffle pour aller gagner du terrain. Genou fléchi vers le sol, tout en regardant côté opposé, du côté du bras tendu. Et voilà, on inspire à nouveau. Et on souffle à nouveau pour à nouveau gagner du terrain. Et on relâche. Voilà, on replace le dos ici, et là on va évidemment se relever sans les mains. Voilà, ça permet de retravailler l'exercice. Dernier exercice, puisque celui-ci c'était l'avant-dernier. Maintenant on va croiser les doigts ici, tourner à l'opposé, tourner les mains, paumes des mains vers l'extérieur. On va ouvrir ici. Les épaules en regardant vers le plafond se grandissant et avançant le bassin vers l'avant. Je vais finir par faire des poésies. Et on est en extension vers l'arrière, en avançant le bassin vers l'avant, sans cambrer cette fois-ci. On inspire et on souffle. Et maintenant, je vais vous souhaiter un très bon après-midi. Nous sommes mercredi 15 avril, après le yoga de Stéphanie à 11h, le cross-training avec moi. Séance courte aujourd'hui, parce qu'on n'est pas obligé à chaque fois de faire 1h30. Je vais essayer d'ailleurs sur les séances prochaines de maintenir sur 1h. Et je vous retrouve vendredi à 11h, 11h à midi, sur une séance à dominante gainage. Mais c'est un gainage particulier qui est dynamique, avec aussi de la coordination, de la proprioception, du renforcement musculaire, du stretching. Et évidemment, un petit peu de cardio, parce que je termine toujours pour un petit circuit pour celles et ceux qui n'en ont pas assez. Voilà, c'est fait pour tout le monde, les seniors, les jeunes, les enfants. Donc n'hésitez pas à venir vendredi à 11h. Je vous souhaite un très bon après-midi. Bon confinement.